Yo, notre frère, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que avec l'équipe TV Caraïbes depuis Bombardier Police, c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Je viens de parler des derniers cas de kidnapping qui ont enregistré ici en Haïti. Mais avant de faire ça, l'équipe TV Caraïbes voulait remercier tout le monde qui est toujours branché TV Caraïbes pour information pays. Et un gros remerciement avec ça. Toujours quitte un commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici dans Bombardier Police, l'équipe TV Caraïbes, nous apprécions ça. Et si c'est la première fois que vous visitez nous, information nous partagez ou intéressez vous, pas oublier abonner avec TV Caraïbes et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet ou faire partie équipe notification TV Caraïbes là. Et ça t'a impressionné nous en pile. Si vous êtes capable d'aider nous grandir chaîne ça. Eh bien, nous pas perdre du temps, nous déroulé avec information yo. En ouais. Porte-parole police nationale là, commissaire Michel-Ange Lujen, pote explication sur ensemble cas de kidnapping yo enregistré dernière semaine ça dans niveau section département police judiciaire là. SDPJ ak différents commissariats dans le pays. Le commissaire Lujen qui renouvelle détermination institution policière pour établir un climat de sécurité dans tout le pays. Il dénonce tendance individu qui utilise le phénomène kidnapping pour faire moun peur ici dans Haïti et puis pour déstabiliser le pays. Eh bien, ces informations nous porter pour nous pas perdre du temps, nous commencer à couler. Delma Messalier, sorti souvelé de janvier à date, même si nous rappelons nous, dernière conférence que nous avons fait, nous avons parlé de 15 cas de kidnapping pour l'air métropolitaine, dont c'est 8 et dans le centre-ville là. Mais la réalité Delma, mais qui s'allie contrairement à sa moun a fait circuler sur les réseaux sociaux, contrairement tout à sa quelques médias a commenté pendant des heures. Pour des raisons qui sont propres à des moun. Des raisons qui personnelles à eux, commissariat Delma recevoir plusieurs plaintes de kidnapping pendant mois ça et jusqu'à alors de fin janvier à de janvier à côté ma palave là. Aussi paradoxal que ça t'apparaît, c'est des monde qui viennent dire que yo te kidnappé yo après plusieurs heures yo fin vers après plusieurs jours que yo versé des rançons, yo même encore qui viennent porter plainte à commissariat de Delma et yo réclamer des certificats de plainte. Et nous comprenons que leur monde prend certificat de plainte qui suivit les mêmes personnels que le café avec. Nous avons en date du 14 janvier le nommé janvier Charles Jacquelin qui présentait dans le commissariat Delma, dans le service plainte commissariat Delma, il dit que à la police que yo te kidnappé. Il passait plusieurs jours dans mes ravisseurs et il vient porter plainte pour kidnapping. Pas oublier que il pas dit qui monde qui était kidnappé, qui côté il était kidnappé, qui côté il était kembil comme séquestration, combien comme il était demandé, il gagne des détails, il pas ca bailler la police alors que il vient dit que il était victime de kidnapping. La loi reconnaît acte ça, acte d'enlèvement ça que nous même nous relait kidnapping non. D'abord faut retirer moun nan de yon zone à un lot contre volonté moun nan. Deuxièmement, faut séquestrer quelque part. Séquestrer veut dire que mettez le nom lieu qui n'est pas volonté qui voulait pour là. Et puis ensuite, faut une demande de rançon. Donc il y a plusieurs éléments qui réunissent pour nous parler de acte d'enlèvement ou bien ça que nous-mêmes, dans le langage commun, nous relais kidnapping. En date du 29 janvier, Lamar P. Jiwo te fait même déclaration ça dans le commissariat Delma pour dire que les victimes de actes de kidnapping et toujours dans la même condition que nous avons expliqué tout à l'heure. Désir Charles, quelques jours après, vient faire même déclaration ça. Oui, moi j'étais victime de kidnapping, moi passé plusieurs jours dans mes ravisseurs, ils ont demandé des rançons, moi viens porter plainte et j'ai besoin d'un certificat de plainte côté de victime de kidnapping. Donc c'est ensemble de situations ça yo que commissariat Delma a victime a connaît alors et c'est ensemble de situations ça yo tout peut-être je dis bien peut-être que des monde a concocté qu'a profité qu'a écrit qu'a intoxiqué et opinion publique là pour faire connaître que gagner des actes de kidnapping ou du moins actes de kidnapping dans les réviser à la hausse et yo ciblé très bien la commune de Delma alors que nous tout n'a sous ça gain sur réseaux sociaux jusqu'à présent parents moun sa yo pas jamais vinn porter plainte de Delma 19 à 83 commissariat Delma pour que jamais recevoir
yon victime, li pou ko janm recevoir yon parent, li pou ko janm recevoir an ken moun ki di ke yo ta gen moun ki victime d'acte de kidnapping, alors que nou wè combien yo écrit des moun yo di ki victime et malheureusement gen yon entité nan pres la ki passe des heures d'antenne kap parler de ça. Yon nan rare fait nou kapab di et commissariat Delma konnen se en date du 3 février. Ça le deux faits. Yon nan yo c'est en date du 3 février aux environs de 5h40 côté 2 à 3 individus té à bord et yon véhicule de couleur rouge de marque Kia immatriculé BB39237 côté nan Delma 19 t'apral gen 2 ou bien 3 moun que des ravisseurs t'apral prend nan Delma 19 aux environs de 5h40 PM. Rivré dans zone là, alerté la police dans commissariat Delma qui pas prend temps pour arriver sur place. Rivé sur place, nous joindre machine là, yo fait enquête de proximité yo et section enquête dans commissariat pas prend temps pour arriver sur place, yo fait enquête de proximité yo. Depuis lors, yo prend des dispositions mener machine ça dans commissariat jusqu'à date, personne pas jamais venir porter plainte. Anken parent pa janm vin di anyen, mais la police a continué enquête li pour konnen s'il s'agissait d'un acte de kidnapping. Jusqu'à présent, pa gen ravisseur ki rele soit parent ou bien soit la police ou bien soit personne et pa bon moun ki pa kap parler de un lieu de séquestration, pa gen moun tout jusqu'à date ki ka parler de rançon que yo ta mandé éventuellement. S'agissait-il d'un règlement de compte ou bien on l'autre bagaille ça enquête là li en cours et au fur et à mesure n'a capable informer opinion publique là de quoi il s'agissait exactement. Les policiers au sur place depuis leur question qui n'a pas ça à parler à nous prend des dispositions côté que nous reviser plan de sécurité nous et nous même la presse nous ca vérifier n'a garder policiers au bien côté qui bien voit pas de point bien l'autre qui te gagne nous déplacer pour nous mettre dans l'autre position bien entendu pour des raisons stratégiques m'a pas dit mon côté mais nous même nous ca vérifier et n'a pas ATA toujours bien supervision et c'est ma colosse là ensemble avec moi et nous redoubler et supervision n'a bien policier au dynamique ATA et j'en répéter là nous pas gagne un paquet de cas nous recenser dans juridiction ça nous recenser aussi li porte parole là bas là et pas gagne raison encore pour nous alarmer et si on ouais un bagage voilà qu'il y a une machine qui suspect, il y a un monde qui suspect, et bien pas de problème, il met le commissariat, et nous contrôlons au téléphone commissariat déjà, et téléphone base c'est 38 24 11 11, et il y a 38 23 11 11, lui-même qui n'a même, et à n'importe quel moment, et du jour comme la nuit, c'est le commissariat, pas d'information, parce que nous-mêmes, la police, nous pas qu'à travailler, nous pas efficace si nous pas d'information. Éventuel problème qui t'a gagné pénitencier national et nous rappelons nous semaine dernière t'a gagné une tentative d'émeute et qui t'a essayé faite dans cellule B12 et parmi 77 cellules et qui gagné dans pénitencier national et nous connaît vitement et force de l'ordre tant ça qui assurer et périmètre externe et commissariat et attention pénitencier national tant ça qu'assurer et sécurité périmètre interne donc il pas de temps pour intervenir pour situation te retourner dans calme en ce qui a trait à problème d'ordre administratif yo et c'est des problèmes que le commandement la police là il prend et l'hypothèse par devant plus haute instance et police là à savoir CSPN et qui gagne des autorités politiques là-dedans qui a mené politique la police là et cap gain pour prendre des dispositions et c'est des problèmes moi crois que il va prendre temps pour y adresser. Deux dernières semaines nous avons gagné des fausses informations et cap circuler dans la commune de Delma et des informations qui s'ouvraient qui cap circuler tant dans les réseaux sociaux qui c'est des sources non officielles mais aussi à travers certains médias. Non ça cap circuler sur réseaux sociaux nous même nous pas obligé répondre puisque yo pas sorti des sources officielles puisque c'est pas la presse en général cap fait circuler yo mais c'est parce que gagne yon média dans capitale là qui se consacrer des heures d'antenne cap répéter
bagay kap circule sou rezo sosyo yo et en fait kap alarme opinion publique là ou bien kap intoxiquer et opinion publique là et nous connaît quand opinion publique là a recevoir genre d'information ça yo comment ça capable créer la peur et la caillou d'autant plus que effectivement phénomène là nous connaît et li présent et parmi nous même si la police a travaillé pour contrer phénomène là comme source non officielle m'a répété c'est parce que gagne un média qui commente immédiatement bon média qui commente donc nous obligé répondre pour nous ca informer opinion publique là qui s'allier exactement que un monde qui écrit sur réseaux sociaux pour dire selon information que m'ta gagné hier soir à Delma sorti Delma 19 pour arriver Delma 83 m'pa pral dire combien cal dit mais il dit gagne des cas de kidnapping que peut-être nous même nous li même ça me li à tout et que l'état même dit que gagne des machines que le préciser il bail Mario etc et cap commettre des actes de kidnapping. Nous même dans la police là nous pas obligé répondre ça pour ça ça fait nous pas obligé répondre ni parce que même monde qui dit ça qui écrit des bagages pour faire monde peur sur réseaux sociaux il pas maintenant li même tout des bagages li ta connaît donc nous pas obligé répondre nous répondre parce que même ça yo cap circuler que personne pas signer yo pas sorti de une source officielle gen quelques médias quand même qui consacrer des heures d'antenne cap commenter yo et c'est ça que fait nous même nous prend le soin pour nous informer opinion publique la réalité à Delma c'est qui s'allier pour des raisons réalité à Delma mais s'allier sorti souvelé de janvier à date même si nous rappelons dernière conférence que m'étais fait m'étais parlé de 15 cas de kidnapping pour air métropolitaine là dont c'est 8 et dans centre-ville là mais réalité Delma mais qui s'allier contrairement à sa monde à faire circuler sur réseaux sociaux contrairement tout à sa quelques médias à commenter pendant des heures pour des raisons qui propres à des monde des raisons qui personnelles à yo commissariat Delma recevoir plusieurs plaintes de kidnapping pendant mois ça et jusqu'à alors de fin janvier à de janvier à côté ma parole avec nous là. Aussi paradoxal que ça t'a apparaître, c'est des mondes qui viennent dire que yo t'ai kidnappé yo après plusieurs heures, yo fin ver après plusieurs jours que yo versé des rançons, yo même encore qui viennent porter plainte à commissariat de Delma et yo réclamer des certificats de plainte. Et nous comprendre que leur monde prend certificat de plainte qui suivi les mêmes personnels que le café avec. Nous gagne en date du 14 janvier. Le nommé janvier Charles Jacquelin, qui présentait dans le commissariat Delma, dans le service plainte commissariat Delma, il dit que à la police, qu'il y a été kidnappé, il passait plusieurs jours dans les ravisseurs et il vient porter plainte pour kidnapping. Pas oublier que il pas dit qui était kidnappé, qui côté était kidnappé, qui côté était Kimbil. Comme séquestration, combien de fois demandé il y a des détails, il n'y a pas qu'à bailler la police, alors que Levin dit qu'il était victime de kidnapping. Pas oublier, j'en ai la pression, la loi reconnaît acte ça, acte d'enlèvement ça, que nous-mêmes nous relions kidnapping. Non? D'abord, il faut retirer les gens de une zone à un autre contre volonté. Non? Deuxièmement, il faut séquestrer quelque part. Séquestrer veut dire que mettre le nom lieu qui n'est pas volonté qui voulait pour là. Et puis ensuite, il faut qu'on demande de rançon. Donc, il y a plusieurs éléments qui réunissent pour nous parler de acte d'enlèvement ou bien ça que nous-mêmes, dans le langage commun, nous relais kidnapping. En date du 29 janvier, Lamar P.J.O. a fait la même déclaration ça dans le commissariat Delma pour dire que les victimes de actes de kidnapping. Et toujours dans la même condition que je vous ai expliqué tout à l'heure. Désir Charles, quelques jours après, vient faire la même déclaration. Ça. Oui, moi j'étais victime de kidnapping, moi passé plusieurs jours dans mes ravisseurs, qui ont demandé des rançons, moi viens porter plainte et j'ai besoin d'un certificat de plainte côté de victime de kidnapping. Donc c'est ensemble de situations ça, que le commissariat Delma a victime, a connu alors. Et c'est ensemble de situations ça tout
peut-être, je dis bien peut-être, que des mondes a concocté, qu'a profité, qu'a écrit, qu'a intoxiqué et opinion publique là pour faire connaître que gagner des actes de kidnapping ou du moins actes de kidnapping dans les réviser à la hausse et yo ciblé très bien la commune de Delma alors que nous tout n'a li sous ça gain sur réseaux sociaux yo jusqu'à présent parents moun sa yo pas jamais vinn porter plainte de Delma 19 à 83 commissariat Delma pour que jamais recevoir yon victime et pour que jamais recevoir yon parent mais pour que jamais recevoir en quel monde qui dit que yo ta gen moun ki victime d'acte de kidnapping alors que nous wè combien yo écrit des moun yo dit ki victime et malheureusement gagnon entité dans presse là qui passait des heures d'antenne qui a parlé de ça jour la soirée 3 février j'en dis à ou ba yon nom de kidnapping ou dit yo dit qui fait sous Delma ou même nous dit dans tout registre nous gen là que c'est dans registre chef de poste communication et plainte nous retracer un seul acte qui te gagné c'est et Delma 19 bloc El Shaddai c'est machine ça là qu'il y a là il y a des monde qui dit c'était deux monde des monde qui dit c'est trois monde qui dans la machine là bien entendu parents monde ça pour venir là pour venir déposer plainte mais nous rentrer avec machine là au moins nous gain ça là qui dit que monde qui dans la machine ça jusqu'à présent pour eux pour soirée ça et non yo dit là c'est pas salier c'est un seul lié voilà équipe TV Kai Bladi merci avec tout monde qui était branché pour te cap tendez dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là. C'est TV Caraïbes et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.